et bienvenue à cet après-cours concernant l'autonomie chez nos apprenants adultes. Comment les soutenir? Comment soutenir l'autonomie? Alors, j'ai le plaisir de vous présenter Caroline Brassard, Madame Caroline Brassard, qui est professeure à la TELUC et qui a accepté mon invitation à nous parler des apprenants adultes et du développement de l'autonomie. Madame Brassard, merci et bonne rencontre. Donc, effectivement, le sujet dont je souhaite vous parler aujourd'hui, c'est l'autonomie chez nos apprenants adultes, apprenants qui, je le sais, sont le type d'apprenant avec lequel vous travaillez, mais également, ce sont les apprenants avec lesquels je travaille, comme professeur d'université. Évidemment, nos apprenants sont adultes, ils ont probablement pas tous les mêmes défis à relever, mais ce sont quand même des apprenants adultes. Ce que je souhaitais regarder avec vous aujourd'hui, c'est à la fois comment la soutenir et comment les soutenir, c'est-à-dire comment on peut rendre l'autonomie possible et en même temps soutenir les apprenants pour qu'ils puissent évoluer de façon autonome. Je suis professeure en formation à distance à la TELUC, donc professeure à distance dans une université à distance dans le domaine de la formation à distance. C'est donc à la fois mon domaine de pratique, mon domaine d'enseignement, j'enseigne la formation à distance, également mon domaine de recherche. La façon dont on va fonctionner, on va regarder, faire un bref survol des apprenants adultes, non pas pour vous apprendre nécessairement quels sont leurs besoins, je pense que vous les savez très bien, mais juste pour qu'on se donne un petit peu une idée de quels sont les apprenants qu'on vise là, par cette présentation. Une courte définition ensuite de l'autonomie, de quoi on parle lorsqu'on parle d'autonomie, les principaux défis de l'autonomie, et par la suite, on va regarder les différents types d'autonomie, c'est-à-dire comment l'autonomie peut se manifester, dans quel champ, pour finalement prendre la majeure partie du temps de présentation pour les pratiques d'autonomisation, donc comment on peut soutenir un apprenant pour qu'il devienne autonome et qu'il démontre de l'autonomie. Par type d'autonomie, ça nous permettait d'avoir des pistes d'intervention davantage ciblées. Donc, je vais essayer de présenter quelques principes, mais surtout de voir concrètement comment on peut aider un apprenant adulte dans une situation d'apprentissage individualisé avec éventuellement des technologies ou des différents environnements à faire preuve d'autonomie et à la développer. Quels sont les besoins des apprenants adultes de qui on parle? Je le sais, vous êtes en formation générale des adultes, donc vous aidez des étudiants adultes qui ont cessé le parcours traditionnel à reprendre pour terminer leur secondaire. Donc, ce sont des situations d'enseignement où c'est très souvent, pour ne pas dire exclusivement, de l'enseignement individualisé, des situations qui sont davantage d'enseignement traditionnel avec des cahiers. C'est la situation avec laquelle la plupart d'entre vous ou la plupart des enseignants que vous soutenez vivent. Ces étudiants-là qui ont souvent délaissé pour toutes sortes de raisons le parcours traditionnel ont parfois, pour ne pas dire souvent, une autonomie qui est peu présente là, et qui reste à développer. C'est pas impossible, mais on sait que ces apprenants-là ont eu des parcours qui peuvent être difficiles, parsemés de situations plus ou moins problématiques. C'est des récits de formation ou des parcours de formation où il y a un ou quelques éléments qui ont été difficiles pour eux. Puis évidemment, il y a toute la sphère individuelle aussi souvent qui accompagne ça. Donc, c'est un peu leur bagage en arrivant. Donc, parcours difficile, une estime de soi qui peut être faible. Et évidemment, certains étudiants, certains apprenants qui vont avoir soit des difficultés ou des troubles d'apprentissage en plus, qui se retrouvent à cheminer en formation générale d'adultes. Ces étudiants-là, toutefois, trouvent confortable, je dirais, la formule qui leur est proposée, c'est-à-dire la réalisation des cahiers, un en arrière de l'autre. On sait cependant que ces situations-là ont possèdent quelques limites et que dans certains cas, mais peut-être que si on leur proposait autre chose ou quelque chose de complémentaire, ça pourrait être davantage utile. Par exemple, utiliser certaines modalités de la distance.
Pour certains, pour être une solution, lorsqu'on parle d'éloignement ou d'impossibilité de se rendre, ou parce qu'on a un parcours de vie qui est particulier, ou simplement parce que ça correspond à la façon dont on fonctionne. Donc, à la fois, ça pourrait être une solution pour certains, mais évidemment, ça pose un défi. Pour fonctionner à distance, il faut avoir, on le sait bien, une certaine dose d'autonomie. Et on sait que le portrait de nos étudiants n'est pas toujours très autonome. Je parle de formation à distance, c'est mon champ, mais évidemment, tout ce qui est d'hybridation entre dans la formation à distance. Et d'ailleurs, par expérience, je sais bien qu'avec ces apprenants-là, les placer dans un tout à distance, là, serait surtout pas une solution. Peut-être un but éventuel, mais sûrement pas une solution. Il faut davantage viser à mettre certaines modalités à distance, donc pouvoir faire des choses en présence, puis faire des choses en différé ou dans un autre endroit. Donc, je vais parler de distance par des formations professionnelles, mais vous comprendrez que c'est pas du tout à distance, une formule telluquienne, par exemple, qui est proposée, mais bien de leur permettre à certains moments de cheminer autrement qu'en présence de leur cahier à l'intérieur de la classe. Finalement, nos apprenants adultes ont souvent des connaissances techniques là, qui sont assez bonnes. Ils sont capables d'utiliser les différents outils, mais ces connaissances-là sont de type loisir et ils n'ont pas eu la chance d'apprendre à utiliser les technologies pour que comme outil finalement pour les aider à apprendre. Donc évidemment, ça, pour les rendre autonomes, il ne suffira pas juste de les mettre dans un environnement et voici, tu as accès à tout, vas-y, mais il va falloir fonctionner un peu différemment. Qu'est-ce que l'autonomie? Très simplement, c'est la capacité à prendre le contrôle de son apprentissage. Certains auteurs vont parler de point de rencontre entre auto-formation et technologie parce qu'ils considèrent que les technologies, c'est un outil privilégié pour l'autonomie. Évidemment, dans la mesure où on est connecté, qu'on a accès à plein de choses, ben, c'est plus facile, en tout cas, c'est plus disponible que d'être autonome dans notre formation parce qu'on a accès à différents éléments. Évidemment, ça ne règle pas les problèmes et ça ne solutionne pas tout le fait de rendre les choses accessibles. L'autonomie, certains diront que ça commence par un sentiment général de pouvoir accomplir par soi-même ce que l'on entreprend sans être déstabilisé par une situation nouvelle. Évidemment, lorsque on a décidé tout pour l'apprenant, ben, celui-ci va être en sécurité, il n'a pas besoin nécessairement de répondre à tout imprévu. Si l'étudiant est autonome puis chemine dans sa démarche, évidemment, il va arriver des imprévus, des choses qui ne fonctionnent pas, des choses qu'il va découvrir et il devra être capable de s'adapter à cette situation-là. Ça entre dans la grande catégorie de l'autonomie. Pour être autonome, évidemment, il faut savoir, il faut se connaître un peu en tant qu'apprenant. Donc, qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on fait de moins bien. Connaître aussi la situation dans laquelle on se place. Là, je suis dans une situation d'apprentissage, par exemple, qui demande de faire une synthèse. Mais c'est quoi une synthèse? Si on veut être autonome dans le processus, il faut être capable d'avoir ces connaissances-là. Il faut vouloir gérer notre parcours et il faut être capable de décider des stratégies et des choses qu'on va mettre en place. Bref, le défi de l'autonomie, c'est qu'on doit former à l'autonomie. Donc, surtout quand on a des apprenants qui sont peu ou pas autonomes, on doit les aider à devenir autonomes. Mais en même temps, étant donné qu'on les place dans une situation individualisée et qu'on voudrait exploiter un peu les technologies pour le faire, donc les mettre dans une situation en partie de distance, ben, ils doivent devenir autonome en étant autonome. Donc, c'est à la fois une condition préalable pour faire certains éléments sans présence de formateur ou sans présence d'enseignant. Il faut être autonome, c'est une condition, mais en même temps, on sait que c'est quelque chose qui est à développer. Et quelque chose qui est à développer qui est assez complexe, là. Être autonome, c'est pas juste être capable de conduire une voiture, changer les vitesses, tout ça. C'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe, qui est un peu à la fois de l'ordre du réflexe parce qu'on fait différents choix, qui est aussi réfléchi.
Certains donnent la métaphore de la navigation. Donc, quand tu es autonome, il faut que tu t'orientes, que tu te repères, que tu tries, que tu assimiles, que tu intègres, que tu décides. Donc, c'est toute une série d'actions que l'apprenant doit faire pour être autonome. Évidemment, le défi, c'est d'intégrer tout ça pour l'aider à le faire à l'intérieur, je dis de l'environnement, mais ça peut être aussi des outils qu'on lui donne, et de faire une espèce d'alternance entre je suis présentement en train de t'aider et je te laisse l'espace pour être autonome. Donc ça aussi, c'est un défi de l'autonomie. Différents types d'autonomie qu'on peut exprimer, dans lesquels on peut évoluer, si je peux dire. Tout d'abord, en situation de formation, évidemment. Je ne parle pas d'être autonome dans la vie de tous les jours, mais vraiment en situation d'apprentissage. Il y a tout d'abord une autonomie technique qui peut être manifestée par l'apprenant. Donc, est-ce qu'il maîtrise les technologies? Est-ce qu'il est capable de s'adapter, de savoir où trouver de l'aide? On sait que même s'ils sont capables d'aller sur leur Facebook, d'aimer des publications, d'aller voir des vidéos, de jouer à des jeux flash, par exemple, est-ce qu'ils les maîtrisent? Est-ce qu'ils sont capables de retrouver quelque chose qui est perdu, qui n'est pas tout à fait au bon endroit? Donc, s'ils veulent évoluer avec les technologies, puis être autonome. Donc, si on veut leur donner des technologies pour qu'ils puissent apprendre, puis qu'on ne soit pas toujours là, bien, il faut qu'ils soient capables d'avoir ce type de maîtrise-là. L'autonomie informationnelle également. Est-ce que l'apprenant maîtrise les outils de recherche documentaire? Donc, savoir où chercher, stocker et restituer l'information. Il ne suffit pas d'entrer une grande question dans Google, pour avoir accès à ce qu'on aurait besoin pour apprendre, il faut être capable de gérer un petit peu plus ça. Donc, si on souhaite avoir un apprenant qui commence à faire des démarches un peu plus individualisées et autonomes en dehors des cahiers, bien, il devrait être capable de faire preuve d'autonomie au niveau informationnel. Au niveau méthodologique, évidemment, dans la mesure où son travail est modulé par les exigences, ça va bien, mais si on laisse un petit peu plus d'ouverture, l'apprenant qui n'a pas un professeur ou un enseignant qui est ici maintenant pour donner une durée ou mettre un délai, mais doit être capable d'organiser son travail puis de voir si ça avance bien. Donc, une certaine autonomie méthodologique. Psycho-affective, évidemment. Tu es présent, l'enseignant est là, ça va pas bien, ça va bien. En présence, on peut réagir. Lorsqu'on est autonome, ben, il faut savoir un peu réguler ses émotions, prendre une initiative parce que l'on se sent perdu, prendre une part de responsabilité là, dans la formation, pas toujours avoir les bonnes réponses. Donc, ça aussi, c'est des autonomies qu'on a besoin d'exercer et qu'on peut soutenir. Évidemment, autonomie cognitive, là. Qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que j'ai encore à apprendre, anticiper ce qui s'en vient, voir comment je peux travailler, voir ma maîtrise du contenu. Ça aussi, c'est des façons de manifester l'autonomie. Métacognitive, donc c'est-à-dire quand on parle de métacognitif, donc c'est au-dessus ou un peu chapeaute le cognitif, donc est-ce que je suis capable de me regarder agir comme apprenant? Est-ce que je suis capable de me poser des bonnes questions? Est-ce que je me connais bien moi-même comme apprenant? Est-ce que je suis capable de juger si je me suis bien, si j'ai choisi les bonnes stratégies pour faire le travail ou si au contraire j'ai perdu mon temps? Est-ce que je suis capable de me réorganiser? Tout ça, c'est également faire preuve d'autonomie. Évidemment aussi, finalement, l'autonomie sociale, donc pouvoir prendre l'initiative de communiquer, demander et obtenir de l'aide, parce que effectivement, être autonome, ça ne veut pas dire s'organiser tout seul. C'est d'ailleurs un défi. À partir de quand je demande de l'aide et à partir de quand je suis capable de m'organiser. Vous voyez, ça, c'est l'espèce de portrait, je dirais, idéal ou global de ce que peut être l'autonomie chez un apprenant. On sait que nos apprenants adultes, surtout ceux qui ont des défis particuliers à relever, qui reviennent aux études ou pour lesquels les programmes traditionnels n'ont pas fonctionné, ne possèdent pas tout ça. En même temps, pour évoluer et
dans des environnements qui sont plus individualisés et qui vont compléter, je dirais, par exemple, toutes les démarches de cahier, ben, ils doivent avoir certaines de ces compétences-là. C'est donc par des pratiques d'autonomisation ou en tout cas dans des façons d'aider l'autonomie qu'on peut leur permettre d'avancer. Et c'est ce qu'on va voir finalement dans les prochaines diapos. Comme je le disais, je vais y aller type d'autonomie par type d'autonomie. Je vais essayer d'être pratico-pratique dans qu'est-ce que concrètement comme formateur, qu'est-ce que concrètement comme concepteur d'outils ou quoi que ce soit, je peux faire avec mon apprenant pour qu'il devienne et qu'il développe son autonomie peu à peu. Au niveau de la technique, évidemment, si on lui demande d'élargir sa démarche d'apprentissage à l'utilisation d'outils, ou à utiliser je sais pas, un didacticiel, un dictionnaire en ligne, ou tout ça pour aller se chercher un peu plus d'informations, une façon de l'aider à devenir autonome pourrait être de lui fournir des aides en ligne. Didacticiel, démonstration, ça va lui permettre dans un premier temps d'avoir accès à de l'information qui va l'aider par la suite à utiliser puis à bien utiliser les technologies. Parce que c'est pas parce qu'il est capable d'aller voir son Facebook, son courriel, puis des vidéos qu'il sait utiliser l'ordinateur pour apprendre. On peut aussi l'introduire au fonctionnement des outils. Ça va un peu dans la même ligne, là. Donc, d'avoir accès à des ressources et expliquer comment fonctionnent les outils. Souvent, quand on est assez habile avec les technologies, je dirais qu'on est capable de jongler avec différents outils, on est capable de s'y retrouver, puis de passer d'un outil à l'autre sans nécessairement avoir besoin d'une explication. Nos apprenants, qui sont moins autonomes, on ne peut pas juger que ça va de soi. Donc, à quoi sert cet outil-là? Comment on peut l'utiliser? On peut aussi faire ce type de présentation-là en présence, là. Comme je le disais, pour travailler avec des adultes en formation générale, on n'est souvent pas en situation où on peut les mettre tout à distance. Donc, ce type de démarche-là, où on pourrait par exemple leur présenter les outils avant de les laisser aller tout seul dans un premier temps. En présence puis par la suite à distance, elle peut être une bonne façon de développer l'autonomie. Et progressivement, en comprenant différents fonctionnements d'outils, peuvent développer une bonne autonomie technique. Expliquer aussi des outils de communication, comment on fait pour aller chercher de l'aide, comment on fait pour communiquer avec des personnes qui nous encadrent si on en a besoin. Et aussi expliquer le rôle des intervenants. Souvent, quand on va amener un élément technologique dans la formation, ça peut arriver qu'il y ait un soutien technique, d'ailleurs c'est souvent le cas, qui est nécessaire. Est-ce que c'est le prof qui le fait? Est-ce que c'est une autre personne? Est-ce que c'est un technicien? Si on veut que l'apprenant fasse des démarches par lui-même, on doit lui cibler là, les différents intervenants. Au niveau de l'autonomie informationnelle, donc comment aller chercher l'information. Je pense qu'on doit penser à des activités qui sont guidées. Je le répète, mais même s'ils utilisent les technologies, les apprenants ne savent pas nécessairement comment chercher de la bonne information, puis celle qui est pertinente pour le projet. Donc, on peut le faire dans un premier temps avec eux, puis dans un deuxième temps, les laisser seuls, puis progressivement, ils vont devenir autonomes. On le fait, nous, avec des apprenants en alpha, qui utilisait avec nous des environnements qui étaient individualisés, mais en présence dans un laboratoire avec des formateurs, et qui, par la suite, devait y retourner à distance. Donc, on pouvait guider un peu les activités dans un premier temps et leur permettre ensuite de faire une certaine intégration. Alterner entre le libre et l'imposé. Si tu es devant un apprenant qui n'est pas tout à fait autonome, lui laisser le libre choix sur tout, évidemment, il va être perdu puis il n'arrivera pas à se retrouver. Donc, des fois, donner des consignes qui sont plus précises, des fois, laisser une liberté de choix et guider ces choix-là, ça va permettre à l'apprenant de développer de l'autonomie.
Donc, on peut faire une gradation des activités ou dire, bon, mais pour cette activité-là, tu peux choisir entre tel et tel élément, utiliser tel ou tel site ou trouver une ressource de ton choix. Puis là, à ce moment-là, ça va lui permettre une deuxième, une troisième, puis peut-être une dixième fois à un moment donné, de développer une certaine autonomie. Évidemment, guider les choix. Avec un apprenant autonome, ça ne pose pas de problème. Avec quelqu'un qui est moins habitué à choisir, puis qui en plus qui a fait un parcours souvent dans un modèle traditionnel où tu fais ça avec tel document, tu réponds à telle question, puis c'est ça que ça donne. Si on veut lui ouvrir les portes et dire, bon, ben, tu dois apprendre là-dessus, puis tu pourrais choisir la façon dont tu vas le faire, ben, il faut l'aider à choisir la façon dont tu dois le faire. Donc, encore une fois, des fiches, des consignes, tout ça, va l'aider à aller chercher l'information puis à choisir l'information. Fournir des bons outils, ça va de soi. Google n'est peut-être pas toujours le meilleur outil pour chercher tel type de contenu. Peut-être qu'on peut en utiliser d'autres. Avoir et prévoir des fiches à la fois techniques et méthodologiques. Comment on fait pour utiliser une banque de données pour avoir de l'information. Comment on fait pour juger si un site est sûr ou non? Comment on fait pour faire un résumé? Ça semble simple, mais si on veut que les apprenants apprennent tout ça, ils peuvent avoir un recueil, que ce soit papier ou en ligne, avec ce genre de fiches-là, qui lui explique de façon explicite, si je peux dire, là, c'est un petit peu redondant, là, mais comment on fait pour faire telle chose que je te demande de faire? Comment on fait un résumé? Puis aller vraiment dans le détail. Et ça, ben, au début, l'apprenant qui n'est pas très autonome risque d'avoir beaucoup besoin de ces outils-là et progressivement va s'approprier ces méthodes-là. On peut aussi favoriser la collaboration. Évidemment, dépendamment des contextes, surtout en contexte d'individualisation, ça peut être plus difficile. En même temps, je dirais que de créer un espace de communauté, si c'est possible, on a peut-être des apprenants qui ne sont pas au même niveau, qui ne travaillent pas les mêmes matières, mais qui vivent sensiblement les mêmes défis. Donc, même si ça n'aide pas sur la matière X ou Y, avoir un espace pour échanger des façons de faire, peu importe le niveau, peu importe la matière dans laquelle tu travailles, ça peut être aussi quelque chose qui encourage l'autonomie. Au niveau méthodologique, fournir des outils de gestion, calendrier, agenda, feuille de route, etc. On peut, en début de parcours, lui montrer comment utiliser ce genre d'outils-là, en prendre des simples. Maintenant, il y en a qui sont intégrés à l'intérieur des Gmail, des Outlook ou autre chose. Donc, d'utiliser des outils qu'ils ont déjà pour se faire des rappels, planifier des événements, tout ça, ça va les aider à reprendre du contrôle puis à bien gérer leur temps. Surtout si on veut qu'ils fassent un petit bout de façon autonome. Évidemment, leur faciliter un peu la vie, donc en centralisant les informations, en leur donnant de l'information, mais que les apprenants puissent le trouver à un endroit, des informations de type méthodologique, donc quand telle chose est rendue, à quel moment on a besoin de telle chose, ça peut aider l'apprenant à devenir autonome. Et comme personne qui soutient, comme enseignant, comme formateur, agir à ce niveau-là aussi. Faut se dire, étant donné que l'étudiant chemine à son rythme de façon autonome, on n'a pas besoin de lui faire de rappel, il va s'auto-organiser tout seul. On sait que certains apprenants qui sont soit, à la limite, ça même, c'est pas tout à fait en lien avec le degré d'autonomie, mais on sait que lorsqu'ils ont l'impression de faire le d'être autonome, certains apprenants peuvent refuser d'indiquer qu'ils ont un besoin ou quoi que ce soit. Donc, d'être proactif. Ne pas hésiter à mettre le pied dans le parcours de l'apprenant, même s'il chemine de façon individuelle.
Des fois, un rappel de l'extérieur, ça peut être une bonne idée. Au niveau psycho-affectif, ce qu'on ne pense pas toujours à faire, on met de mettre les apprenants en situation où ils vont cheminer un peu dans un cadre qui est moins fermé, ça peut être relativement déstabilisant ou ça peut jouer sur les émotions ou sur l'affectif. De toute façon, c'est important, comme je disais, de soutenir activement et proactivement les apprenants adultes qui cheminent. Donc, à la fois d'être disponible à leurs demandes, mais aussi de devancer les demandes. Comme je le disais tout à l'heure, de mettre le pied dans la porte, là, d'être présent et d'aller au-delà des demandes. Parce qu'on sait qu'il y a des apprenants qui vont se dire, oh, je dois être autonome, je dois m'organiser tout seul, ce qui n'est pas du tout le cas, là. Ce sont deux éléments complètement différents. Être capable de décoder les messages aussi. Si on fait une partie en présence, là, c'est facile de voir et de bien saisir ce qui est demandé. Si jamais on laisse l'apprenant cheminer un peu de son côté, faire un bout de façon autonome, ça se peut que les contacts se fassent évidemment davantage à l'écrit. Donc, ça va de soi, mais c'est important de le rappeler, de bien décoder les messages, de voir au-delà de la demande, je ne comprends pas tel exercice. Si l'apprenant, par exemple, vous écrivait, c'est la catastrophe, je ne comprends pas l'exercice. On comprend que présentement, là, il est probablement plus à l'envers qu'on a l'impression. Donc, c'est important de regarder ça pour aller au-delà, pouvoir l'aider là-dedans, puis l'aider aussi à se réguler là, en cours de route. Évidemment, adapter les exigences, puis valoriser le déplacement. OK, là, ça va, tu as réussi à faire, mettons, un exercice sur trois ou telle chose, ça va bien, on continue. Donc, ça, c'est évidemment pas des outils ou des choses comme ça, mais en plaçant ces espèces de balises-là, ou des moments où l'étudiant a réussi à être autonome, bien, on peut l'aider à ce qu'il le devienne davantage. Laisser des choix, faire attention à l'écrit, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Au niveau du cognitif, donc de l'apprentissage en tant que tel et du métacognitif pour le gérer, favoriser au départ l'auto-évaluation puis l'outiller pour le faire. Si on veut que l'apprenant chemine, fasse des choix de façon autonome, qu'il aille chercher des ressources complémentaires qui évolue un peu à distance ou avec certaines technologies, c'est important qu'il puisse se situer pour voir ce qu'il est capable de faire, puis ce qu'il a besoin d'aller chercher. Et ça, ben, il faut pas juste s'attendre à ce qu'on lui dise réfléchis pour qu'il puisse le faire. Là, il faut cibler certaines questions, lui faire faire certains exercices. C'est pas nécessairement relié à la matière, mais ça va l'aider à mieux se connaître et éventuellement être plus efficace. Là. Puis il y a plusieurs recherches qui l'ont démontré où le simple fait de questionner un apprenant sur sa capacité et ses stratégies donnait des bons résultats, faisait que les apprenants performaient mieux dans une tâche X ou Y, simplement parce qu'on avait pris le temps de faire cette demande-là. Évidemment, ces outils-là pourraient être faits en échange ou dans un outil informatisé ou interactif, c'est également possible. De lui permettre aussi d'avoir du feedback en cours de route dans son processus, donc savoir si c'est bien, si c'est moins bien, pour des outils interactifs, pour des connaissances plus factuelles, je pense entre autres au quiz automatisé ou tout ça qui pourrait aider l'apprenant. Ça semble pas avoir de lien, mais effectivement, s'il est capable d'avoir du feedback sur ce qu'il est capable de faire, ben il va pouvoir savoir où il en est rendu. Il y a tout évidemment le champ de l'apprendre à apprendre, donc lui donner de bonnes stratégies, tout ça, l'outiller pour se faire, il peut avoir des outils réflexifs, métacognitifs, des guides, des questionnaires, qui peuvent l'aider à réfléchir et à bien se gérer. Et finalement, comme je le disais, ça je l'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais lui laisser des choix et le guider pour le faire, mais peut-être aussi de lui permettre d'avoir un carnet de bord, un outil de suivi. On pense beaucoup aux éléments de matière théorique lorsqu'on fait de l'enseignement individualisé, mais lui permettre de garder une trace de sa démarche, des choix qu'il a fait, des bons choix, des moins bons choix, ça va lui permettre d'en apprendre un peu sur tout ça et de devenir progressivement plus autonome.
Finalement, au niveau social, parce que cette composante-là est importante, prévoir des activités de partage, même si on n'est pas toujours sur les mêmes contenus, fournir des bons outils de communication pour permettre ce partage-là, surtout dans la portion, évidemment, à distance, favoriser la collaboration et à ce moment-là, l'alternance présente-distance peut être intéressante s'il y a une cohésion qui se fait entre les apprenants en présence. C'est plus facile à transférer par la suite à distance, on peut le faire. Et finalement, encourager la mutualisation des ressources. Nos apprenants peuvent nous s'entraider entre eux à avoir des façons de faire qui sont plus efficaces. Donc, on peut leur laisser l'espace pour faire ce type d'échange-là. Bref, pour qu'un apprenant puisse démontrer de l'autonomie, c'est important de lui laisser des espaces d'autonomie, donc de lui laisser la chance d'en faire la démonstration. Si tout est choisi pour lui, si il n'y a pas de marge de manœuvre dans sa démarche, c'est clair qu'il ne peut pas apprendre à devenir autonome tant qu'on ne lui donne pas la chance de l'expérimenter. De permettre à l'apprenant aussi de, je l'ai mis entre guillemets parce que c'est un bel anglicisme, mais de faire du sens à son projet, donc de situer sa démarche dans quelque chose de plus large. Bon, je retourne aux études parce que c'est ce que je veux apprendre, c'est ce que je veux, j'aimerais ça devenir telle chose. Donc, si sa démarche entre dans un grand tout, ça aide l'apprenant à développer son autonomie parce qu'il y a de l'espace pour le faire. Évidemment, soutenir et rester disponible, si on demande qu'il soit autonome, ben, ça ne veut pas dire qu'on le laisse tout seul. Il faut rester là pour l'aider à être autonome, bien l'outiller, que ce soit avec des fiches, avec des outils technologiques, en lui fournissant les bons logiciels ou simplement lui amenant les bonnes questions. Le rendre conscient de sa démarche. Plus on sait comment on fonctionne, plus c'est facile de faire les bons choix et d'être autonome. Et dans le cadre d'une formation générale, je dirais profiter de l'hybridation, c'est-à-dire on a la chance de rencontrer nos apprenants en présence. Il y a des choses qu'on peut faire en présence qui se font beaucoup mieux en présence et il y a des choses pour lesquelles la distance est plus aidante. Par exemple, pour faire de la lecture ou consulter des documents, de faire ça en présence des apprenants, c'est peut-être pas optimiser le temps qu'on a de présence. Ça se place très bien à distance. En présence, on peut peut-être faire d'autres choses. Donc, d'essayer de choisir le meilleur des deux mondes, souvent, va permettre à l'apprenant d'être dans une situation, quand il est tout seul, qui va être plus bénéfique pour lui. Et voilà. Pour le reste, vos questions, mes coordonnées. Et j'aurais fait le tour.